Tu es réveillé. Ouais, je n'y peux rien. Tu as pris ton petit déjeuner ? Non, mais je pense que je vais descendre. Je veux dire, pendant que tu prends ta douche et tout ça. Je te laisse tranquille. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un est mort ce matin ? Salut, Mose. Ouais, salut. Quoi de neuf ? Je suis le seul à entendre la musique de la quatrième dimension, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'allais justement te le demander. Où l'as-tu trouvé ? Notre ami Larry Chester l'avait enterré hier soir. Je devrais plutôt dire Larry Sinclair. Sinclair, hein ? Enfoiré. Ça parle de la lignée des Stewart. Tu l'as lu alors ? Je l'ai parcouru. Je travaillais sur la carte du trésor. Ah bon ? Ça t'ennuierait le lien ? Je dois savoir pourquoi Sinclair a menti et pourquoi il s'est senti obligé de faire ce numéro hier soir. Dis, je pourrais le lire, moi, si tu es occupé avec la carte du trésor. Grace le fera. Pourquoi diable est-ce que ça t'intéresse tant ? J'essaie juste de vous donner un coup de main. Je pars, puisque c'est comme ça. Attends, Grace, je prendrai une douche plus tard, donc la chambre est à toi. Bon sang ! Ressaisis-toi, Knight ! Ah ! Bon Dieu, espèce de taré ! J'espère que ça n'est pas à propos de ce que je crois. Oh merde ! Moi, je retourne dans ma chambre. Viens me voir plus tard si tu veux qu'on en parle. Je vous le dis, Jean, je sens que quelque chose ne va pas. Peut-être que M. Wicks a passé la nuit dans une autre chambre. Non, j'ai déjà nettoyé la chambre de Mademoiselle Butane. Et où d'autre aurait-il pu aller ? L'américaine est avec son patron, et en ce qui concerne Lady Howard et Estelle... Ça suffit, Roxane. Fermez la porte à clé et ne touchez à rien. Nous verrons si M. Wicks revient. Oui, Jean. Oui, Monsieur Knight ? Je vous ai vu tous entrer ici. Est-ce que Monsieur Wilkes va bien ? Oh, je l'espère ! Chut ! Tout va bien, monsieur. Ne vous en faites pas. Notre Roxane est juste un peu inquiète. Ah oui, je suis sûre que tout va bien. Venez, venez. Nous allons laisser la chambre jusqu'au retour de Monsieur Wilkes. Roxane, au travail, au travail. Et monsieur, merci pour votre aide. C'est très aimable de votre part. Eh, no problema. C'est fermé. Excusez-moi, Roxane. Monsieur Knight, vous avez besoin de quelque chose ? Dites-moi, Roxane, mon pantalon est un peu sale. Vous pourriez me le nettoyer ? Oui, certainement. Laissez-le-moi. J'espérais que vous le feriez pendant que je suis là. Mais monsieur... Vous n'auriez plus de pantalon sur vous ? Appelez-moi Gabriel. Ah, Monsieur Knight, vous me faites une farce. Ouais, je suis un farceur. À propos de Monsieur Wilkes, vous savez quelque chose ? J'ai appris à me fier à l'instinct féminin. Ah oui ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a contrarié ce matin ? Ah, monsieur, j'ai très peur pour Monsieur Wilkes. Ce matin, ses fenêtres étaient grandes ouvertes et les objets dans sa chambre n'étaient pas en ordre. D'habitude, je trouve son pyjama par terre, d'accord ? Mais ce matin, je ne l'ai pas trouvé. Et il n'a utilisé ni son rasoir, ni sa brosse à dents. On dirait qu'il ne s'est pas levé ce matin. Et pourtant, il n'est pas dans sa chambre. Ça a l'air inquiétant. Vous pourriez me laisser jeter un coup d'œil ? Je ne sais pas. Roxane, ça peut être très grave. Monsieur Wilkes aimerait qu'on s'assure qu'il n'a pas d'ennui. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai parlé à Jean. Mais il pense que j'ai beaucoup d'imagination. Personnellement, j'ai appris à ne jamais sous-estimer une femme. Très bien, monsieur. Je vais vous montrer. Suivez-moi. S'il vous plaît, monsieur Knight, si monsieur Wilkes revient, ne lui dites pas que je vous ai laissé entrer, d'accord ? Je ne dirai rien, merci.
Il n'y a que du linge sale ici. Je ne vois aucune trace d'effraction sur la fenêtre. Aucune empreinte. Si quelqu'un est vraiment entré par effraction, ce n'était apparemment pas pour voler le papier à lettres de l'eau. Pas maintenant, merci. Je ferais mieux de tout fermer au cas où quelqu'un vienne. Roxane ? Oui ? Est-ce que vous avez trouvé des indices dans la chambre de Monsieur Wilkes ? Pas vraiment, mais ne vous en faites pas, on le retrouvera. Oui, monsieur. Allez, entre. J'écoute. Bon, je l'ai vraiment fait cette fois-ci. Je le savais. Tu l'as fait, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Ouais. Bon Dieu, bon Dieu. Arrête et réconforte-moi plutôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quand elle est partie hier soir, elle ne voulait plus entendre parler de toi. C'était un accident. C'est ça. Tu es le seul gars que je connais qui peut finir au lit avec la plus belle femme du monde par accident. Qu'est-ce qu'elle devient, Madeleine, dans tout ça ? Quoi, Madeleine ? T'es aveugle ou quoi ? Ça doit être ta peur de t'engager dans une relation qui affecte ton nerf optique. Grace est superbe. Elle est sympa, elle est intelligente et elle est drôle. Tu devrais te faire soigner, moi je devrais te casser la gueule pour la traiter comme tu fais. Tu as vu sa tête ce matin ? Oh, arrête un peu, je me sens assez mal comme ça. Je veux dire, bon sang, elle est comme ma sœur, cette fille. Ah. Bon, je suppose que tu pourrais essayer de lui parler de tes sentiments, de lui dire la vérité. Non. Je vais te dire, fais comme si c'était pas arrivé. Oh. Vraiment, comme si rien ne s'était passé. Tu peux toujours essayer. D'accord. Je ne vois pas ce que je dirais à Mose pour l'instant. Je ne voudrais pas la déconcentrer. Est-ce que vous avez vu Wilkes aujourd'hui, Jean ? Non, monsieur. Et vous ? Non. Oh, je suis sûr que nous allons le revoir sans tarder. Je vais chercher la Harley.
Je vais laisser à Grace le soin. Grace est la seule qui... Roxane ? Oui ? Je peux vous aider, Monsieur Knight ? Encore branché là-dessus. Trois mots. Fais-toi soigner. Je me suis déjà fourré dans pas mal d'ennuis. Bonjour, mesdames. Ah, c'est vous. Que faites-vous ici? Je ne fais que passer. Je vois que vous avez affiné votre théorie. Really? Il y a vraiment des gens totalement dépourvus de délicatesse. Laisse faire, Lily. Vous permettez, Mr. Knight? Estelle et moi travaillons à une affaire personnelle qui ne nécessite pas la moindre aide ou intervention de votre part. Je ne vous ai rien proposé. Very well. Partez donc. Go, go! Voilà une scène de bonheur conjugal.
C'est une empreinte de pied au format de Wilkes. Oh merde, c'est Wilkes. Il a perdu tout son sang, exactement comme les deux francs-maçons. Non merci, je n'y tiens pas. Non merci, je n'y tiens pas. Soit la Croix-Rouge a eu un accident ici, soit il s'agit du sang que Wilkes a perdu. Je n'ai rien à vous dire. Oh que si, monsieur Sinclair. Vous feriez peut-être mieux d'entrer. J'ai appris que vous étiez en fait engagé par le prince James. Tant mieux. Mais cela ne vous donne pas le droit de vous immiscer dans mes affaires. Vous avez saboté ma couverture. Vous voyez, c'est le problème avec les secrets et les mensonges. Quand on ne sait plus où on en est, on n'a plus d'autre solution que de tout balancer et de faire le tri. Ça ne regarde que vous et le prince James. Je peux vous dire que vous avancez sur un terrain miné. C'est une situation délicate. Ça risque de vous exploser à la figure à tout moment. Je m'y perds. Je dois faire attention à l'endroit où je pose les pieds ou à l'endroit où je fourre mon nez. Très amusant. Nous verrons l'effet que produiront vos manières cavalières sur le prince. À présent, dites-moi ce que vous voulez. Je voulais vous parler de votre manuscrit sur la lignée. Comment en avez-vous appris l'existence ? Je vous ai suivi hier soir, et je l'ai déterré. Vous avez fait quoi ? C'est inadmissible. J'espère que vous saurez apprécier ma motivation. Je me trouvais dans la chambre quand le fils du prince James a été enlevé. Il y a peu de choses que je ne ferais pas pour le retrouver. Pour commencer, je ne saisis pas comment on a pu engager un étranger comme vous. C'est absurde. Mais à présent que vous avez vu mon manuscrit, j'ose espérer que vous ne me prenez plus pour l'auteur de l'enlèvement. Il est vrai que de ce côté-là, vous êtes blanc comme neige. Où est le manuscrit ? Vous n'avez pas déplacé, j'espère. J'ai pensé que ça ne lui faisait pas du bien de rester ainsi enterré dans l'humidité. Vous devez le remettre à sa place immédiatement. Ok, je vais le faire. Il est à l'hôtel pour le moment. Monsieur Knight, je vous suggère de le rapporter immédiatement. Parce que si quelque chose arrive à ce manuscrit, le prince James en sera très mécontent. Je vais le rapporter, sans problème. Le prince James avait l'air de dire que l'enlèvement était politique. Est-ce que le manuscrit a quelque chose à voir là-dedans ? C'est possible. Certains sont outrés à l'idée que le prince James puisse monter sur le trône. Le trône ? Quel trône ? Oubliez ça. Le manuscrit élève le prince James au rang de roi. Mais de quel pays ? L'Écosse ? Il ne promeut pas le prince au rang de roi en tant que tel. Il se contente de retracer les généalogies et montre qu'il s'agit du meilleur candidat. Meilleur candidat à quoi ? Vous parlez de l'indépendance de l'Écosse ? Non, dans notre monde moderne, l'Écosse ne constitue qu'une principauté minuscule. Alors l'Angleterre ? Les Stewart ont fait le serment de ne jamais accepter le trône d'Angleterre. Mais quel pays alors ? Ce n'est pas à moi de le dire. Connaissez-vous Montreau, le propriétaire du vignoble ? Bien sûr, je le connais de nom. C'est une petite région ici. Est-ce qu'il serait par hasard l'un des vôtres ? Un franc-maçon ? Non. En tout cas, il n'est pas de rite écossais. Il y a un truc que je ne pige pas. Pourquoi travaillez-vous sur le manuscrit ici ? Vous n'avez apparemment pas besoin d'une inspiration émanant des Templiers ? L'un de nous séjourne habituellement dans la région. Juste pour surveiller ce qui se passe. Surveiller quoi ? Les chercheurs de trésors ? Tout. Mais pourquoi vous ? Le manuscrit suscite une certaine opposition.
Le travail effectué sur le manuscrit doit rester discret. Et vous avez pensé que personne ne se douterait que vous y travailleriez ici? C'est à peu près cela. Mais vous avez ruiné mon anonymat. Bon, je peux toujours continuer à le questionner, mais je n'ai pas l'impression qu'il me dira quoi que ce soit. Je dois y aller. Comme vous voulez. Bonjour. Salut. Est-ce que tu as regardé le manuscrit sur la lignée ? Oui, c'est assez intéressant. Par où veux-tu que je commence ? Que dit le manuel à propos de la lignée ? La lignée est très importante. Les descendants de Jésus se nomment les Desposini. Leur symbole est la licorne. La licorne ? On dit que la corne est un symbole phallique et que la licorne elle-même représente un Jésus fertile. Pas étonnant que l'Église catholique soit devenue hystérique. Mais... est-il envisageable que cette lignée, cette descendance, soit légitime ? Eh bien, il n'existe aucune raison qui interdirait à Jésus de se marier ou d'avoir des enfants, à moins de penser que les rapports sexuels sont un péché. Personnellement, je ne suis pas de cet avis, et tu ne l'es certainement pas non plus. C'est exactement ce que je dis aux jeunes filles catholiques. Continue. Et c'est le genre de choses que l'Église de l'époque a pu supprimer, pour s'assurer que les évêques possèdent tout le pouvoir et pas les descendants. C'est une théorie qui tient la route, mais il n'y a aucune preuve à l'appui. Soit, mais si tout cela n'est qu'un mythe, c'est un mythe extrêmement ancien. Le blason royal d'Écosse possède un lion de Judée davidique, la licorne desposinique et une fleur de lys judaïque, ce qui prouve qu'il pensait être Desposini depuis au moins le Moyen-Âge. Que dit le manuscrit sur les francs-maçons ? Le manuscrit établit très clairement que la question de la lignée est à l'origine du différend entre les Templiers et le prieuré de Sion. Le prieuré défendait certaines familles françaises descendantes des Mérovingiens, tandis que les Templiers, eux, soutenaient la dynastie émergente des Stuart. Je pense qu'il est évident que les francs-maçons et le prieuré se disputent encore à ce sujet aujourd'hui. Est-ce que Saint-Clair parle du Saint-Graal dans le manuscrit ? Le Graal représente la lignée et une sorte de devoir de la noblesse à servir l'humanité. Mais aussi, rappelle-toi ce que tu as entendu dans le train. Tu dis que les kidnappeurs ont parlé du Saint-Graal. Et alors ? Le manuscrit dit que l'expression Saint-Graal est une traduction erronée. L'expression d'origine n'était pas Saint-Graal, mais Sang-Royal. Sang-Royal ? Comment ça ? Le Sang-Royal, comme la lignée. Le Saint Graal est la lignée, Gabriel. C'est ça qui fait froid dans le dos. Waouh ! Je me demande si dans le train, il ne parlait pas de ça, de sang royal. C'est ce que je me demande. Tout ça remet la théorie des vampires sur le tapis, tu ne trouves pas ? Oui. Je ne suis toujours pas sûr de saisir le lien entre Saint Clair et les hommes du prince James. Le manuscrit mentionne le prince James, en effet. Il retrace les différentes branches de la lignée jusqu'à nos jours. Il prétend que les Stuart possèdent la quantité de sang la plus grande et la plus pure. Le prince James est mentionné comme étant l'héritier actuel des Stuart. Est-ce que tu as eu l'impression que le manuscrit tentait de préparer le prince James pour quelque chose ? Il est vrai que le manuscrit détaille son pédigré en long et en large. J'imagine que toutes ces familles royales trouvent ça extraordinairement important. Et pour ce qui est du règne ? Est-ce qu'il évoque quelque chose à propos d'un trône ? En fait, oui.
ça parle beaucoup de l'Union européenne et de l'idée qu'un système de gouvernement idéal fonctionnerait à la fois avec un parlement et une monarchie. Tu ne penses pas qu'ils essayent de... Non. De mettre la maison des Stewart à la tête de l'Union européenne. Ouais, je crois que c'est précisément ce qu'ils essaient de faire. Bon sang, c'est pour ça que Sinclair se cache ici. Est-ce qu'il y a autre chose dedans à propos du symbole de la licorne ? Oui, un peu. Tu connais toutes ces tapisseries médiévales qui représentent une licorne dans un jardin ou bien une licorne qui se fait chasser ? Ouais. Elles seraient des représentations de l'oppression par l'Église des Disposini, les descendants du Christ. Ah bon ? Devine ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Quoi ? Le cadavre de Wilkes. Quoi ? Je l'ai trouvé à l'endroit qui s'appelle l'homme mort. On dirait qu'ils l'ont carrément enlevé de sa chambre hier soir. Oh mon Dieu ! Ça donne la chair de poule. Ils étaient dans l'hôtel. Bizarre parce que je rêvais justement d'eux. C'est pour ça que je... Bon. Comment a-t-il été tué ? Exactement comme les hommes du prince James. La gorge coupée, vidée de son sang. Seigneur, je suis maudite ou quoi ? J'ai passé toute la journée en voiture avec Mallory et MacDougall. Et hier soir, j'ai dîné avec Wilkes. Quelle était donc sa grande théorie ? Il avait fait une étude sismique qui a révélé la présence de cavités souterraines, dont une très grande. Ça commence à devenir logique, parce que moi j'essaie de résoudre une énigme appelée le serpent rouge. Bien. Continue à bosser là-dessus, j'ai moi aussi quelques idées que je dois approfondir. Parfait. Ce n'est pas le bruit d'une moto. Bordel, c'est le prince James. Où est le manuscrit ? Je dois le ramener à Larry avant qu'il n'aille se plaindre à son boss. Mais je l'avais mis là, je l'ai laissé sur la table quand je suis allée prendre ma douche. Oh, ne me dis pas ça, Grace. Grace ! Quelqu'un a dû le prendre. Merde ! Ok, laisse-moi réfléchir. Il est temps de s'occuper de notre ami du département de police de la Nouvelle-Orléans. Je vais l'éloigner de la ville quelque temps. Et le prince James ? Dis-lui que je travaille sur l'affaire. Je ne peux pas le voir tant que je n'ai pas le manuscrit, sinon je me ferai étriper. Tu crois vraiment que Mosley... Eh oui, ce crétin. Mais fais-moi une fleur et continue à chercher un peu par là. Juste au cas où je me serais trompé. Laisse-moi la moto, d'accord ? Tu monteras avec Mosley. Quoi ? Allez, comment veux-tu que je surveille tout le monde si je suis coincée ici ? S'il te plaît. J'y crois pas. Merci. Oh non.